Martine Martin, bonjour à tous. Soyez la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu as le sens de l'observation, je ne suis ni dans mon setup, ni seule. On est... Tu vas le dire bien ou pas? Je vais le dire bien. Les amis, nous sommes the load. Oh bien, bien, j'aime l'accent. J'ai presque envie de dire the load, the motherfucking load. Le local of all time. Incroyable, d'ailleurs, félicitations. Merci, c'est ouf. J'ai cette chance, j'ai envie de dire ce privilège, de pouvoir venir en tant que tout premier guest en fait. Vraiment. Au sein de, des bureaux. Quoi. Ouais, c'est, exactement, première guest, c'est vrai. Quel guest de qualité. 600 mètres carrés de testo. vraiment. En tout cas, c'est exceptionnel. Franchement, bravo. On n'a que ce qu'on mérite, qu'on dirait bah. On s'est déjà croisés plusieurs fois. Il y a longtemps. Il y a très longtemps. Je t'ai dit, Jordan, viens, on fait une fois une vidéo. Tu m'as dit, ok, let's go. Il y a un thème que j'adore particulièrement faire sur ma chaîne, c'est les transfos. J'ai déjà eu la chance de pouvoir transformer le studio Daniel. J'ai transformé mon mari. J'ai transformé Matt se fait des films et tout dit quantity. Et c'est quelque chose que j'adore faire. Et tu passes cette fois-ci. J'y passe. Attends, de base, il y avait un autre concept qu'on devait faire et tout. Dès qu'elle a proposé, je savais qu'elle allait réussir à m'avoir à me faire cette transformation. Il y a eu un petit détail, j'ai eu un petit peu de mal à accepter, mais... Écoute, c'est vrai qu'aujourd'hui, on passe sur un rasage complet, j'ai envie de dire. Ouais, voilà, c'est cash, ça fait mal. Ça va être exceptionnel, exceptionnel. Mais avant de débuter cette vidéo oufissime, j'ai déjà vraiment envie de vous dire, les amis, prenez votre petit popcorn, installez-vous confortablement. Cette vidéo est sponsorisée par... Rhinoshield, c'est la famille pour toi, par contre. Moi, c'est vraiment, je pense vraiment qu'on va signer un papier comme quoi on est de la même famille à un moment donné. C'est un truc de... Rhinoshield, sans déconner, c'est le vieil oncle que tu vois, toi, au dîner de famille et qui te file un petit bifteux en fin de soirée, tu vois, qu'on adore voir en fin de soirée. Et ils sont là et ils nous ont donné carte blanche pour cette vidéo. D'ailleurs, comme un gros merci à toute l'équipe Rhino. D'ailleurs, si tu ne connaîtrais pas Rhinoshield, ça m'étonnerait. À mon avis, ils sont quatre, ceux qui ne connaissent pas. C'est une marque donc de coques de smartphones. Mais il n'y a pas que des coques pour les smartphones, il y a des accessoires, il y a également pour des AirPods, pour les Apple Watch. La sélection, elle est gigantissime. Plus de 200 modèles différents sur le site. Je te mets tout ça, regarde le montage. C'est exceptionnel, regarde, il y a une explosion. Mais mon dieu, mais il y a un rhinocéros, que fait-il? Moins 10% sur tout le site Rhinoshield pendant 48 heures avec le code Gaël. Tu peux partir s'il te plaît? Merci. Voilà, it's gone. D'ailleurs, la famille, j'ai presque envie de dire déjà la famille de Rhinoshield, m'avait susurré à l'oreille, Martin, que penses-tu peut-être qu'il sait de faire une petite collab Rhinoshield slash Vivre d'amour chené Martin? Oh, c'est lourd en vrai. Ça, putain, tu vas le faire. Ouais. Mais franchement, je me dis, why not? Ouais, vraiment. D'ailleurs, laissez en commentaire si oui ou non, ça vous semble une bonne option. Bien moi, sûr, je pense que ça peut être très 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 stylé. Il y a moyen de faire des bails très 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 drôles. Mais quelle collection? Là, en ce moment, on va pouvoir retrouver sur le site de Rhinoshield Gaël. J'ai fait une petite sélection. Alors, je suis très très fan de Friends. Ok. Donc, il y a forcément une collection Friends qui est exceptionnelle. Central Perk, la base. Il y a également Harry Potter. Par contre, je n'ai jamais vu le moindre Harry Potter. Pas grave. Franchement, c'est pas grave. Moi, j'ai pas vu Titanic. J'ai pas vu les Star Wars. J'ai pas vu les Seigneurs des Anneaux. J'ai pas vu. Bon, voilà. Titanic, non. Ça, c'est par contre, c'est franchement, pas non, possible. Non, mais tous, Star là, Wars, c'est bon. Non, non plus. J'ai pas vu Star Wars. Non, j'ai Star pas Wars, vu non. Le Seigneur des Anneaux. Il y a également la collection Hello Kitty. Alors, ça, c'est. Oh, écoute, moi, j'aime bien. J'ai tout ce qui est Japan style, j'ai tout regardé, donc plutôt sympathique. Il y a plein de super choses à aller découvrir sur le site Rhinoshield. Franchement, je vous invite vraiment à le faire. Et on vous embrasse. Yes, c'est parti. On y est. C'est bon. Écoute, je peux pas te faire une transfo incroyable si j'enlève pas cette barre. J'ai bien compris, c'est bon. Je me suis fait à l'idée que voilà, j'allais perdre pas mal de points de charisme et let's go. C'est la première vidéo que je tourne au local ici. Et quoi? Non, t'as niqué le t-shirt? Gaël, tu peux pas m'enlever la barbe, me transformer et démonter mes t-shirts, genre. Surtout jamais raser pour tous les petits Martins qui nous regardent. On sera jamais dans l'autre sens. Toujours dans le sens du poil. Ah ouais, si t'as pas envie d'avoir des gros boutons et des rougeurs dégueulasses. Ça change quoi de le faire dans le sens du poil pour les boutons? Mais en fait, tu irrites beaucoup moins. Surtout qu'en soi, je m'en fous que ça repousse demain, tu vois. Je veux juste lisser. T'es plus rasé depuis combien de temps? Mais ça fait vraiment longtemps. Là, je crois que la dernière fois, c'était décembre 2019. Vraiment. J'avais laissé juste la moustache, même pas totale en plus. Non, là, c'est un vrai cadeau, là. Franchement, merci. Quelle ligne de visage j'ai, du coup? T'as vraiment un t-shirt, mon gars. C'est quoi, le t-shirt? Ça semble charismatique, le t-shirt. Ouais, ouais, mais c'est ce que toutes les meufs se font, là, en mode, elles se font des injections acide hyaluronique pour avoir vraiment la mâchoire méga pointue, tu vois. Elle est pointue, là? Oh, ouais, t'as vraiment une belle mâchoire. Magnifique. T'as une belle mâchoire, ce compliment me va droit au cœur. Je te jure, mais c'est pas une blague. T'as une belle mâchoire. Non, j'ai trop peur du que ça coupe. Mais non, j'y vais tout doucement, promis. C'est très bizarre, cette phrase. Ah, t'inquiète, je vais aller doucement. Enlever l'image. Et c'est juste le son et réécouter ça. J'y vais tout doucement, promis. Hop là. J'y vais plus par quatre chemins. Mais c'est par tout seul par contre, c'est vraiment un acteur porno. Ouais, Helmut Franz. Ah ouais. Ich habe eine große Schwanze. Ah, das ist sehr gut. Réalisateur de Gang Bang là. En fait, je sais pas pourquoi. Tu sais que je suis obsédée par l'ASMR, tu vois. Et genre vraiment hardcore. Et genre là, je vais pas te mentir, j'ai un ASMR visuel un peu. Genre j'ai des tingles. C'est très satisfaisant. Ça, c'est pour vous. Un petit peu de rasage de barbe. Est-ce que c'est ok?
Putain, elle est dure, hein. Elle est vraiment costaud. Si je peux me permettre, oui, ma moustache est vraiment solide. C'est hardcore. Tu fais ça. Ma mère, au moins, je suis sûre de pas toucher ta laine. Plutôt cool. Attends. Il y a trop d'allusions là. C'est horrible. Il y a trop de. Ok. Ah ouais, je sens qu'elle gratte quoi. Attends, mais non, vraiment. Là, j'ai des graves premiers degrés. Elle gratte fort. Elle gratte à mort. Elle accroche, c'est du velcro quoi. Ça, c'est pareil, c'est cadeau. Vraiment, c'est super agréable. Il est. En plus. Paf, impeccable. Bitch. Done. Nickel. Non, mais non. Mais y a plus aucun flow. Y a plus rien. Y a juste un visage sans rien, sans âme. Alors, comment tu te sens? Vide. Je me sens vide. Ok. Attends avant. On va parler du code promo Rhino Shield. Ah oui. Les gens attendent ça depuis tout à l'heure en fait. Y'a même pas de consigne au monteur. Y'a un énorme en fait, énorme comme ton flow actuel. Merci, nickel de te rappeler. Oh bah c'est pas grave. Tout se casse la gueule dans ma vie à partir de maintenant. Maintenant que j'ai plus de barbe, tout est fini genre. Là j'ai reçu un SMS, je vais payer 3 fois mon loyer, je comprends pas pourquoi. On me dit juste t'as une sale gueule, bon bah nickel quoi. Ça fait plaisir, parfait. Ça va, c'est pas si pire. Si, c'est moche, c'est pas beau. Bah attends, mais ça, tu vas voir, ça va être bien après. Je suis dégoûté vraiment. Code promo RhinoShield, 10% avec le code GAEL sur tout le site RhinoShield. Alors, avant toute chose, mon petit coco, tu vas d'abord hydrater ta peau. Donc là, je viens de la raser, donc ouais. Elle n'est pas agressée. Ouais. Et donc, je vais mettre un produit qui rentre tes poils de nez. Ok. Voilà. Une fois que j'ai mis ça, on passe à un primer. C'est quelque chose qu'on met avant de mettre le fond de teint pour qu'il adhère et qu'il accroche. Ok, ça marche. Vraiment créer une seconde peau, tu vois. Une belle twang. Une twang sauvage. Putain, t'as des cils incroyables, j'avais fait attention. Oui. Waouh, et ils sont méga foncés en fait. T'as des cils de gonzesse. Avec du mascara, ça va être incroyable. Ouais. Maintenant, on fait le teint. Et j'espère que c'est la bonne couleur. Oui. Petit nez en trompette. Ah, petit nez en trompette. Petit nez. Petit nez, petite pomme d'Adam. Mais énorme quoi. Non, c'est bien de le rappeler quand même, parce que j'ai des longs cils, voilà, des trucs comme ça, mais il y a des choses longues. Là, je vais enlever les cernes. Et là, je vais déjà commencer à affiner ton visage. Je vais aller créer des zones de lumière. C'est très spirituel, ce que je vois. Ouais, vraiment. Oh, que tu es belle, ma chérie. Et là, ça part en blend. Il va falloir être patient. Ok. Ah, c'est des mini-billes. Non, t'abuses, hein. Non, là, j'abuse. En vrai, c'est trop chiant, parce que ça me fait une barbe que je déteste, mon implantation. C'est la barbe qui fait comme ça, là. Mais ça fait vraiment barbe de bouffeur de... Ah, de chat, quoi. De grosse chatte, bah... Ouais, vraiment. Je trouve que les barbes comme ça, c'est pas péjoratif ou quoi. Mais quand je vois des gens avec ça, je me dis, lui... Ouais, je vois ce que tu veux. Lui, il mange, quoi. Ouais, il bouffe de la moule, quoi. Ouais, c'est vrai. En gros, et il s'appelle probablement Helmut. Helmut, le bouffeur de moule. Alors, attention. Là, maintenant, commence les vrais bails. Vraie transformation, ça y est, là. Là, je suis plastifié pour l'instant. Je suis mannequin de cire. Et là, ça commence. Première chose, je vais setting ton teint pour créer un teint flawless. Donc là, maintenant, c'est contouring. C'est ça qui crée un peu le... Tu refaçonnes le visage, quoi. C'est ça. Mais j'ai... Non, mais là, c'est... On dirait là, un fil bébé. Mais tu peux pas le dire depuis tout à l'heure. Mais non, tu dis pas, mais putain. J'ai déjà envie de te mettre du highlighter et tout. Oh là là, incroyable. C'est quoi ça? Vas-y, regarde-toi. Ça fait quoi en fait? Je te mets de la lumière, tu vois pas? Ça brille, tu vois pas que ça brille? Ok, oui, ouais. Ça brille de ouf. Ouais. Franchement, je vais être extrêmement fraîche. Tu vas être très très belle. Mais oui, c'est sûr. Bon, les amis, les sourcils. Attends, mais question là. À part mes cils, y'a quoi de cool sur mon visage là? J'ai des sourcils de. T'as un petit nez en trompette, donc t'as vraiment un tout petit nez. Un tout petit nez de. Il fait ça et il repart, tu vois. Les cils très très fournis. Ok. Franchement, j'ai des copines qui vendraient leur mère pour avoir des cils pareils. Désolé, j'acceptais pas les mamans. Mâchoire assez. Assez fine. T'as un visage assez féminin en vrai. Bah parfait, super. Assez lancé. Ouais. C'est bien, t'es cash. Après, moi j'aime bien les visages d'hommes avec une certaine douceur. Des gens fragiles quoi. Genre en fait, j'attendais le mot, bien sûr, il est sorti le visage de fragile quoi. Genre DiCaprio, tu vois. Il fait quoi dans la vie? DiCaprio, tu connais pas? C'est un petit acteur Hollywood. Ah, il reste les yeux et la bouche là. Hein. Mais je vais te faire un liner fumé. J'ai vraiment envie de te faire des yeux de chat, tu vois. Vas-y. Des yeux de grosse chat. Des gros chats là. Ça et la bouche, ça va être fou. Tu vas te mettre comme ça et tu te détends. Attends, le slip. Putain, ça va être trop beau. T'as des yeux hyper faciles à maquiller en plus. Putain, ça va être fou. Ouais. Franchement, mais t'as les yeux tellement faciles à maquiller. C'est un plaisir. Ça va aller super vite. Non, vas-y, nomme-moi. Franchement, si moi je devais te donner un prénom, ce serait Cindy. Jordan, okay. Cindy, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu le même bail, tu vois. Nickel, vraiment, ouais. C'est un plaisir de tourner avec toi, Gaëlle. Vraiment. On en ressort plein de confiance. Ou Gwen. Gwen, j'aime bien. Gwenaël. Gwen, j'aime bien, ouais.
Putain, c'est ouf là. Ça c'est rien ça encore, c'est même pas fini, pas, tu vois. C'est que le début. J'ai pas vraiment l'habitude. Hein. To the moon soon, till the end of time. Incroyable, putain, t'as pas du tout la paupière tombante. Ouais, désolé. Et à toutes les paupières tombantes, bah moi non. On est ensemble les paupières. Comment du coup? Bah du coup normal. Non, les paupières archi lourdes quoi. Les paupières archi lourdes, on est ensemble les paupières tombantes. Ça dégage, next. Ça dit quoi le smokey eyes? Toi, t'es pas trop bien. Je te jure, c'est trop beau. J'ai la haine un peu. Ah, apparemment, j'ai des yeux lourds, du coup, je suis content. Mais les yeux, je savais quand même que c'est un peu un atout chez moi. Incroyable, vraiment. C'est un de mes atouts. Après, je suis lion, ascendant, scorpion. Faites-en ce que vous voulez, je vais me faire détruire. Tu sais qu'il y a des tweets, des fois, des gens ils me disent: ah, Joyka, je l'aime bien, dommage, il est lion. Ça fait chier, pourquoi dommage? Je suis lion, ascendant, scorpion. J'ai envie de voir vos analyses dans les commentaires, genre vraiment. Ça m'intéresse de ouf, je veux voir qu'est-ce que ça dégage, du coup. Est-ce que je suis une merde ou est-ce que c'est cool? Moi, je trouve pas que ce soit. Moi, j'étais persuadée que t'étais Capricorne, pour te dire. Bah voilà, bah, je sais pas pourquoi, tu vois. Les Capricornes, c'est des très grands cœurs. C'est des gens qui ont le cœur sur la main et qui adorent bosser, qui ont un seul but dans la vie, c'est de réussir. Mais en emmenant les gens qu'ils aiment avec eux, c'est quelque chose de primordial. La réussite, mais jamais seule, tu vois. Après, Lion, ça m'étonne pas. Enfin, t'aimes l'attention, tu vois. T'aimes avoir le spotlight on you, tu vois. Sinon, on ferait pas ce métier. Bah oui, on est tous des lions un peu, je pense là-dessus. Scorpion, du coup, c'est. Scorpion, c'est pas terrible. Les hommes scorpions, pouf. Mais pourquoi? Parce que c'est un peu taré. Ils savent pas ce qu'ils veulent. Par contre, en dispute, c'est horrible, les scorpions. Ils ont des petites qualités quand même. Je pense bien, c'est sûr, ils doivent en avoir. Hein. Putain, mais j'arrive pas à croire que je vais te mettre du mascara, ça va être fou. Tu gardes le meilleur pour la fin, là. Oh putain, c'est ouf. Elle a fait un bruit trop mignon, c'est une femme trop contente. C'est vraiment. En vrai, c'est un vrai beau glam, quoi. Waouh, non, mais attends, là-haut. Vraiment, je me reconnais plus du tout, là. The bitch is transforming. Ça y est, je suis là, je suis parmi vous. Et je vais vous détruire, la concu. Putain, mais même tes cils du bas sont méga longs. Franchement, je suis fière de moi. Je t'ai fait un look incroyable. T'es contente? Ouais, je suis trop contente. Là, tu mets quoi, là, ce que t'as mis? Palette Yves Saint Laurent. Parce que t'as une grosse chou. Bon, le mascara. Oh, putain de sa mère. J'ai joui, j'ai une jouissance interne. J'ai vu. J'ai jamais vu ça, franchement. Ils sont tellement longs que je dois... Ah ouais? Mais de ouf. C'est un truc de dingue. Ils sont presque tellement longs, limite ils touchent ton sourcil. Ah ouais, c'est un rêve de Ouais, je te jure, là je viens trop, on dirait des fossiles. Franchement, bah tant mieux, hein, ça vous fait rêver. Mais ils sont archi longs, ouais, vraiment. Mais c'est dingue. Déjà, t'as les cils méga, méga noirs, tu vois. Là, c'est encore du noir au-dessus, tu vois. Donc ça donne un côté très... Vous voyez pas encore, mais vous allez voir. C'est un truc de ouf. Ah, oh, mais attends, il faut montrer, vas-y. Ok. Vous êtes prêts? Je vais descendre et vous allez certainement jouir. Putain, les cils. C'est les cils de l'élément choquant? Ah ouais, là, on voit bien là. C'est un truc de fou. On a pratiquement terminé. So, bitch, bitch. Je vais te faire un overline, mais de chouin. C'est quoi ça? Je vais aller sur la partie blanche de ta bouche pour aller donner un effet encore plus gros aux lèvres. Vas-y. Putain, j'assure de ouf. Je t'ai fait un overline, il est parfait. C'est fini? Et maintenant, les amis, la pièce de résistance. Ok, ça y est. Déjà, est-ce que je suis bonne? Ouah, la dinguerie là. Non, je suis éclaté là. Il me manque une... Ça, c'est une wig que j'ai portée en plus pour un shooting. Tu sors tes petits pouces et tu vas tenir ici où il y a mes doigts, la perruque. Ouais. Tu vas la mettre devant sur ton front. Ok. Waouh. Attends, c'est pas fini. Ça sert de ouf, hein. Oh, ça compresse le crâne. Attends. J'avais pas demandé ça, hein. Attends. Enlève là. Attends, tu veux refaire? Évidemment, c'est une sur-mesure. C'est à ma mesure à moi, donc forcément, ça va te serrer. Ok, et maintenant, c'est la mise en place. C'est pas fini, là? Non, je vais te la mettre correctement. Il faut que je te brosse les cheveux. Non, mais là, j'ai un film d'horreur, là, vraiment, là. Je fais flipper, là. Ce plan, vraiment, je te jure, là, je regarde le retour, il fait peur, ce plan. Gwenéné. C'est incroyable. Et là... Est-ce que c'est pas incroyable? Eh hey, oh, putain, je suis méga fraîche, là. Je viens de faire un mouvement. Ouais, très, vas-y, très frais. Ouais, t'as fait quoi? Putain, j'adore. C'est un mélange entre Gwen, mais aussi entre Ozzy Osbourne, un chanteur emo et un peu de Cyprien aussi. Ouais, le cocktail explosif, c'est un bon bon cocktail, hein. C'est un bon rhum arrangé, quoi. Et mais moi, je vais prendre la caméra et on va aller voir la réaction des gens, en fait. On va aller voir les potes. Oh, la vie de la mère. S'il te plaît, Jules, viens me prendre. Regarde comme c'est beau. C'est la vie. Trop bite. C'est un vrai full glam, regarde ça. Les cils de chouin, wesh. C'est bien fait, hein. Regarde ça. T'es choqué là? Je m'appelle Gwen. Gwen? Mais Gwenaël? Gwenaël. J'ai dit Gwenaël. Tu veux pas que je te touche? Non. Mais pourquoi tu veux pas que je te touche? Touche-moi un peu. C'est perturbant, putain, ouf, gros.
Non, mais Gaël, tu t'es chauffé. Ah, ah écoute, j'ai fait ça bien. Ultra bon. Voilà ce que j'attendais. Voilà. Je suis ultra bonne. Voilà. C'est ça les réactions. C'est ça qu'on veut. On est en shooting avec Théo là. D'abord. Il y a ton ex qui veut te dire bonjour. Le ventilateur a cramé. Qui es-tu, mec? Ça m'a matrixé. Attends, ça me fait bizarre. Mec. Ah, tu sais que quand. Attends, je suis choqué. Je me suis dit, c'est qui pendant 3-5 secondes, genre? C'est incroyable. Bébé, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Hein. Gaël, ouais, je suis le seul à pas voir. C'est toi qui l'as maquillé, Gaël? Ouais. C'est incroyable. Putain, mais t'es trop forte. Alors, Thomas? Mais mec, c'est incroyable. Wouah! Attends, mais j'étais au loin, j'ai fait c'est qui? Attends, mais. C'est qui? Mais arrêtez de regarder, c'est bon, laissez-nous tranquilles. Oh la Joy Studio, vont être insane. Ouais, hein. Genre Joy Studio depuis le début, genre. Ouais, depuis à la vie, à la mort, bébé. Non, c'est pas dans la merde. <bébé. rire> elle est trop bien la transformation, ça me fait réagir de fou, moi. Tu veux remettre gros. Mec, tu fais quoi, gros? Mais non, tu fais quoi? Il est vraiment très bien. Super fort, franchement, le maquillage des yeux, il est. Bon bah voilà, on y est. Les amis, je l'ai fait. J'ai transformé Joyka et c'est exceptionnel. T'es fière du résultat? Franchement, mais tu sais que je suis vraiment fière de moi et je crois que c'est la plus belle transformation que j'ai pu faire. T'es canon. Bon, en tout cas, les amis, n'oubliez pas qu'il y a 10% de réduction sur le site RhinoShield avec mon code Gaël. Et 10% si tu m'appelles ce soir aussi. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Merci d'avoir joué le jeu, mec. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On vous embrasse sur vos énormes phallus, sur vos énormes chattes. La cisaille, ciao. La cisaille, ciao. Yes.